J'ai toujours été militant. Quand j'étais au secondaire, j'étais président de ma classe. Alors, je me suis toujours occupé un peu de défendre les autres. Et quand je suis arrivé à faire mon cours d'enseignant à ce moment-là, mon père a perdu son emploi. Ça faisait 30 quelques années qu'il travaillait au même endroit. Et du jour au lendemain, plus de travail, c'était dans le bas du fleuve. Donc, même s'il ne gagnait pas des gros salaires, je ne pouvais pas... absolument pas me fier sur lui pour être capable de continuer mes études. J'ai réussi à les continuer pareil, puis j'avais trouvé que c'était beaucoup injuste. Parce que surtout que le monsieur qui avait le moulin à bois, bon, disons qu'il était très bien vu dans le village. Hein, dans ce temps-là, avec l'église, hein, il fournissait beaucoup de matériaux à l'église, les gros tapis verts, puis en tout cas. Et quand je suis arrivé dans l'enseignement, c'était ma première année, en 68. Et déjà, il y avait une négociation provinciale. C'était la première, comme on avait dit. C'était suite à une loi qui avait été passée et que ça donnait un salaire égal à tout le monde, même sur la Rive-Sud. Les enseignants du primaire, ils gagnaient moins cher que ceux du secondaire. Et surtout au primaire, il y avait des endroits qui étaient plus syndiqués. Ici, sur le territoire, là, ici à Longueuil, ça avait de la... pas si pire. Mais je me souviens que cette loi-là a fait qu'ils appelaient ça des cercles rouges. Des gens qui gagnaient plus que la loi leur permettait, ils les avaient mis comme en pause pendant X années, jusqu'à temps que la loi rattrape là, ces salaires-là. Les syndicats, plusieurs, pas tous, plusieurs ont déclaré la grève, littéralement. Devant ça, ce nouveau gouvernement-là vote passe une loi spéciale qui portait le numéro 25, d'où on parle du Bill 25, en février 67. Et là, ben, c'est un changement radical à tout ce qui existait auparavant, puisqu'il impose la négociation provinciale, contrairement à toutes les négociations locales d'auparavant. Il impose un salaire unique à travers tout le Québec. C'est un mot d'ordre d'émission massive. Là, j'avais 22 ans. Bon, j'ai peut-être été un peu fanfaron. J'ai démissionné comme beaucoup d'autres avaient fait. Et je me souviens que ça a été ma première manifestation à Québec, au printemps 69. Et on avait fait ce qu'on appelle la marche silencieuse. C'était très, très impressionnant. J'ai jamais revécu ça après, là. Mais sur Grande Allée, se rendre jusqu'au Parlement, là, c'était silence total, pancarte des fois traînée à terre, et ça avait été un mouvement national. Ça n'a pas été suivi partout. Moi, ce que j'ai su, nous autres, on avait démissionné plusieurs ici, là, de syndicat de Jacques-Cartier, à peu près 400-450 membres. Cette négociation-là a permis probablement de... Si tu enseignais en Gaspésie ou en Abitibi, tu faisais le même travail, bon, tu avais le même salaire, bon, il y avait la scolarité, etc., au moins entre les hommes et les femmes. Moi, quand j'ai commencé, les hommes avaient 500 $ de plus que les femmes qui enseignaient au même niveau. Et si l'homme était marié, il avait un autre 500 $. Donc, il y avait une distorsion épouvantable. Là, le petit nouveau qui arrive, un jeune homme, là, il me nomme comme délégué syndical de l'école. C'est un peu le principe, hein? Tu te mets un peu la main, puis là, c'est le bras qui rentre, puis après ça, ben, le corps, puis là, tu fais... Alors là, je participe à des réunions syndicales, en assemblée générale, et je deviens membre l'année suivante du conseil d'administration, comme là, c'est de même que j'ai commencé là, à m'impliquer, puis là, à ce moment-là, tu t'aperçois de différentes injustices, puis tu te dis, ben là, ça n'a pas de bon sens, là. Compte tenu que c'était toutes des petites entités de commission scolaire, donc les commissaires qui faisaient partie, il y avait des amis, des fois leurs enfants, qui enseignaient, donc qui passaient avant d'autres. Il y avait beaucoup de favoritisme, c'était pas balisé. Et puis même moi, j'ai connu durant toute ma carrière, à un moment donné, quand on en est venu dans les années 90, là, où on a manqué d'enseignants, à un moment donné, d'enseignantes. Et là, il fallait en trouver. Et on a créé ce qu'on appelle des listes de rappel avec des ordres de priorité, parce qu'il y avait du favoritisme épouvantable. Il y avait du marchandage. Si t'es fin ou t'es fine avec moi, donc ça aussi, ça n'aidait pas à l'unité syndicale. J'ai connu tous les fronts communs. Il y en a que ça a bien été, il y en a qui étaient plus difficiles, puis il y en a ben là, que ça s'est démantelé ou ça ne s'est pas fait. Et en 72, il y avait vraiment une revendication sociale. On disait le 100 $ par semaine. Bon, mais le 100 $ par semaine, moi, ça faisait pas longtemps que je l'avais. Quand moi j'ai commencé ma carrière, là, en 68, là, je gagnais 5125. Donc, ça fait pas tout à fait 100 $ par semaine, ça. Mais ça a monté un petit peu, là. C'était une grosse revendication sociale et j'ai jamais revécu ce phénomène-là. Parce que, de toute façon, je pense que les organisations syndicales étaient mieux structurées, mieux organisées que les commissions scolaires, puis le ministère de l'Éducation. Les commissions scolaires, c'était toutes divisées. Depuis ce temps-là, ils ont créé la Fédération des commissions scolaires. Ils se sont donné du personnel aussi. À ce moment-là, ça a comme... Au niveau des relations de travail, il y avait des spécialistes, donc c'était plus difficile. Mais en 72, là, on travaillait avec les gens là, du personnel de soutien, les hôpitaux, c'est sûr qu'il n'y avait pas de service essentiel. Des choses qui se sont faites dans ces années-là ne pourraient plus se faire aujourd'hui. Il y avait une conscientisation, mais là, ce qui était aussi, c'était après la crise d'octobre, hein, en 70, là. Donc là, il y avait des éléments conjoncturels là-dedans là, qui peut-être donnaient une idée aux gens parce que de solidarité plus que ce qu'ils avaient vécu avant. Ils s'apercevaient qu'on devait être ensemble si on voulait bâtir quelque chose de commun. Probablement qu'il y a eu un certain découragement parce que là, il y avait, excusez, il y avait aussi l'arrivée du Parti québécois, là, il y avait beaucoup hein, du monde de l'enseignement qui était dans les structures du Parti québécois à ce moment-là. Il y a des comtés qui existaient. La structure du comté était basée uniquement, quasiment, sur des gens de la fonction publique. Ben, en tout cas, des gens de l'enseignement autour. Là. Mais ça a eu pour effet aussi de... Dans les années 75-76, c'était plus tranquille. Parce que là, les gens étaient un petit peu divisés entre leur allégeance politique et leur allégeance syndicale. Moi, j'entendais du monde dire, des fois, dans des salles, c'est notre gouvernement qui est au pouvoir. Donc, tu sais, là, il ne faut pas trop brasser. Il n'y a pas eu, tu sais, le Front commun de 76, là, dans ce coin-là, là, il n'y a pas eu de gros mouvements. Il y a eu des petites grèves tournantes, là, mais c'était pas comme uni, là. Et ça n'a pas... 72, ça a été le gros front commun. Après ça, il y a eu des années, on peut appeler de vache maigre dans cet esprit-là. C'est revenu un petit peu plus tard. C'est par alternance un peu. En 82, c'était la 82-83, c'était la déprime totale. En 80, là, il y avait eu comme une bonne convention, mais c'était juste avant aussi le référendum. Et en tout cas, ils ont toujours dit qu'il y avait eu un élément déclencheur par rapport à ça, sauf qu'en 82, ça a été vraiment dramatique. Le gouvernement, face à un déficit considérable, le gouvernement Lévesque propose de rouvrir les conventions collectives qui se terminent à la fin de 82. Alors, il propose de rouvrir 6 mois à la fin des conventions collectives. Le gouvernement n'hypothèquera pas l'avenir pour améliorer les salaires des employés de l'État. À partir de janvier 1943, par décret, va fixer les conventions collectives pour une période de 3 ans. Ils vont annuler le droit de grève. Alors, ce qui va amener un affrontement majeur avec le monde syndical. Grève illégale en 1982, 1983 également. La coupure de 20 %. Ensuite, la non-indexation des retraites de 82 à 99. Ça, on en a encore les effets, puis c'est dévastateur. Et on a fait 17 jours de grève. Là. Et puis le froid qu'on a connu là, ces temps-ci, c'était froid le matin. Moi, je me levais à 5 h du matin pour aller préparer le local de grève, pour que les gens aient du café parce qu'ils allaient faire leur piquetage, ils revenaient, puis la grève était illégale. Donc, la loi anti-cave ne s'applique pas. Alors, il y a du monde qui rentrait dans les écoles, là, puis ça a créé beaucoup de problématiques après ça. On avait des décisions pas faciles des fois à prendre, dire là, on recommande d'accepter la convention, de retourner au travail. Là. Même si on sait qu'on vient de perdre 17 jours de grève et plus de 20 % qu'on perdait. Nous autres, ici à Champlain, Champlain était créé à ce moment-là, on a fait 2 jours de plus. Là. Double coupure. Au lieu, supposons, de 200 $ par jour, c'était rendu 400. Là. Puis si on continuait, on perdait de l'ancienneté, puis... C'est un petit peu le modèle que M. Bouchard a réutilisé avec les infirmières en 99-2000. Et là, avec une loi de massue comme ça, là, dans les années 80, c'était très difficile. Tu ne pouvais pas faire de mobilisation d'événements chocs. Tu pouvais faire une manif, mais... Tu sais, là, quand tu fais une manifestation au Parlement à Québec, là, puis quand tu es juste 10 000 à 12 000, là, le message est là aussi. Là. Des fois, tu es mieux de ne pas en faire que d'aller montrer ta faiblesse. Ça, là, c'est... Dans les années 80, ça a été difficile. Au début des années 90 aussi, hein, parce que là, ça a été le gouvernement qui est arrivé, c'était M. Johnson fils, là, Daniel, et il y a eu des réouvertures de conventions qui se mettent à chaque année. Là, on a perdu des petits morceaux à chaque fois. Puis, notre intérêt, comme en 83, notre objectif, c'était de sauver des emplois. Puis ça s'est répété aussi en 1996 avec les départs volontaires. Nous autres, notre but, c'était toujours protéger l'emploi. Ils nous demandaient d'augmenter le nombre d'élèves par classe, puis d'augmenter un peu le temps d'enseignement. Ça, c'est pas beaucoup, ça a l'air de rien. Je me souviens, c'était M. Lucien Bouchard qui était premier ministre, puis j'avais écouté une conférence de presse, il disait « élargissez un peu l'écart », puis tu sais, avec son plateau, là, il aime ça, là, et là, à ce moment-là, pour la population, il dit, un enfant de plus dans le corps, c'est pas grave. 10 minutes de plus d'enseignement par jour, c'est pas grave. Mais au bout de la ligne, ça fait un nombre de profs de moins. Et ça a été... Et les gens, ils ont eu la misère à accepter ça. Je pense que la loi spéciale, là, je vous dirais que il y a des gens, il y a des comtés, là, qui ont perdu complètement leur organisation de comté au niveau du Parti québécois, là. Parce que c'était tous des enseignants qui s'occupaient de ça, là. Des gens très proches là, de leurs députés. D'ailleurs, il y avait des députés qui venaient de l'enseignement. Il y en avait plusieurs à un moment donné dans les années 80, fin des années 70, années 80. Là. Et c'était difficile. On ne se le cachera pas. On tenait la barre, puis on tenait. Puis à un moment donné, ben, tu dis, là, on est rendu là. Là, on n'a plus le choix. Là. On ne peut plus aller plus loin. Parce que quand tu négocies, il faut avoir un certain rapport de force. Parce que l'autre côté, regarde ça aussi, là. Ils peuvent te faire poireauter longtemps. Disons, il faut se retrousser les manches. Une journée, c'est démoralisant. Puis le lendemain, le soir, tu as fait une réunion. Puis là, tu t'es fait brasser un peu. Puis là, tu te dis, pourquoi je fais ça? Puis le lendemain matin, tu retournes, tu relèves tes manches. Puis tu te dis, ben là, on va essayer de trouver d'autres stratégies. C'est en équipe, hein? Si tu t'en vas tout seul là-dedans, penser, un militant syndical qui pense faire tout seul, là, ça, là, il ne durera pas longtemps, puis il va le brûler. La première chose, quand tu t'impliques, il faut que tu sois honnête dans ton implication et essaie pas de monter tout de suite en haut de l'échelle. Commence par participer à un comité, à un autre comité, faire valoir ton point de vue, regarder les autres ce qu'ils pensent. Autrement dit, essaye d'élargir ta base pour la solidifier. Après ça, là, tu peux graduer. C'est parce que quand tu montes trop vite, des fois, il te manque des éléments, tu peux faire des erreurs. De toute façon, là, c'est sûr que tu vas faire des erreurs. Le meilleur moyen de ne pas faire d'erreur, c'est de ne rien faire. Il y a des gens qui vont, prendre la petite erreur que tu vas faire et la monter en épingle. Il faut que tu sois assez bien équilibré aussi psychologiquement pour être capable de passer par-dessus ces éléments-là. Quand tu es militant syndical, tu ne peux pas être un militant politique en même temps. Pour moi, c'est parce que quand tu es un militant syndical, à un moment donné, ça dépend où tu es, là, dans quelle situation, mais quand tu es un militant syndical dans la fonction publique, si tu adhères à un parti politique, quand il va être au pouvoir, que tu auras à traiter avec, tu vas avoir un genre de filtre que tu ne voudras pas voir certaines actions. Tu vas avoir peur de dénoncer. Tu vas avoir peur un peu plus de revendiquer. Et par contre, si c'est l'autre parti qui est au pouvoir, là, tu vas être comme le militant là, qui veut battre celui qui est au pouvoir, mais il faut faire attention parce que c'est pas le parti politique que tu représentes. C'est des militants dans ton syndicat que tu représentes. Le collectif. Pense pas qu'individuellement, tu vas réaliser beaucoup de choses, puis que tu vas apporter beaucoup de choses à la société. C'est ensemble, c'est collectivement qu'on peut se donner certains moyens, puis faire avancer des dossiers dans la société. Des dossiers qui peuvent être pour l'ensemble des personnes, qui peuvent être pour un groupe en particulier, mais essaie de t'intéresser à plusieurs dimensions. Un militant se doit d'être bien informé. Pas partir sur « quelqu'un dit ça, puis là je pars en peur ». Être capable de porter un jugement, mais d'avoir une conscience collective aussi. Toujours regarder par rapport au collectif, par rapport aux gens que je représente ou que je vais représenter. Tu fais abstraction, souvent de fois, de ton idée personnelle. Tu dis, on travaille ensemble, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, puis il y a une vieille expression qui dit, je suis capable de vivre avec ça. Mais il faut que tu te gardes aussi des ondes, parce que sans ça, ton psychologique, là, il va en subir des conséquences. Et ta stabilité aussi, ta stabilité individuelle, là, ta stabilité familiale. Et il faut être capable aussi, moi, là, ça fait 42 ans que je suis marié. J'ai toujours fait du syndicalisme. Je n'ai pas toujours été présent. Mais quand j'étais présent à 110 %. Moi, les enfants, la nuit, là, je me levais. Là. Puis c'est pas parce que je m'étais couché à 2 h du matin qu'à 3 h 30, je ne pouvais pas me lever. Là. Et ça, c'est important. C'est important aussi que le conjoint, la conjointe participe, ait un peu les mêmes valeurs aussi. Là. Si tu n'as pas les mêmes valeurs, c'est sûr que ça accroche. Mais j'ai connu des gens qui étaient conseillers syndicales, puis que leur conjointe est devenue directrice à un moment donné, et ça c'est... le couple a éclaté, là. C'est d'être reconnu aussi, là. Ça, c'est important aussi, que les gens te le disent, « Ah, t'as fait ça, je te remercie. » Ça, là, ça en prend de ça aussi, là. Si t'as jamais de reconnaissance, là, ton militantisme, il durera pas longtemps. Puis là, les gars sont arrivés, puis ma femme, qui est la fille d'un juge, puis bon, puis qu'il y a des juges dans sa famille, elle dit, « Avez-vous des papiers? » Il dit, « Non, madame, c'est la guerre. » Il dit, « On n'a pas de papiers. » Alors, j'ai ouvert la radio, puis j'ai entendu dire qu'on est en guerre. J'ai jamais su contre qui, mais on est en guerre, pareil. Le militantisme, là, t'as des périodes euphoriques, t'as des périodes creuses aussi. Puis des fois, les périodes creuses, là, il faut que tu t'armes avec d'autres pour être en mesure de passer à travers. Devenir trop militant, dans le sens qu'on pense juste à ça, on laisse tomber tout le reste, à un moment donné, c'est dangereux pour sa santé mentale, c'est dangereux pour les gens que tu représentes aussi. Là. Parce que si tu es tellement militant que tu rencontres des gens, puis tu n'es pas capable de prendre leur idée, pas capable d'accepter une idée contraire, que là, les gens vont te traiter, ils te le diront pas des fois en face, mais tu es un extrémiste, puis à un moment donné, tu n'as plus de crédibilité. Moi, j'ai connu des gens là, qui étaient militants, puis qui ont eu à négocier un peu avec l'employeur, puis ils ont fait des coups fourrés, là. T'as pas montré que t'avais une intégrité, une honnêteté. Ça, là, ça vient te rechercher à un moment donné, puis t'es brûlé. Moi, en tout cas, dans ma carrière à moi, puis je continue comme bénévole à la REC, j'ai toujours été un gars qui voulait me préparer correctement, puis d'être capable d'être intègre, puis de pas jouer sur des choses là, qui pourraient mettre ma crédibilité en danger. Là. Dans le temps, ce qu'on disait dans les années 70-80, les organisations syndicales, les négociations du secteur public, après ça, allaient déteindre sur le privé. Exemple, les congés de maternité. Ça, c'était un gros point majeur. Moi, ma conjointe, là, le premier enfant qu'on a eu en 76, là, 30 quelques jours après, elle retournait enseigner. Là. Puis, il n'y avait pas, là. Puis, on a toujours essayé de maintenir ça. La question là, de congé de maternité, puis ça s'est développé, congé de paternité aussi, avec les nouveaux... Le régime québécois d'assurance parentale, là, il n'existerait pas si les centrales syndicales ne s'étaient pas battues pour ça. Puis les femmes, et les hommes aussi, les hommes appuyaient, là. C'est pas du côté patronal qui aurait donné cet avantage-là. Là, ils sont aperçus quand même, là, dernièrement, il y a eu des études économiques qui disaient que les garderies, là, c'est... au bout de la ligne, ça permet une meilleure économie parce que les femmes retournent et ils gagnent des bons salaires. Les garderies en milieu scolaire, ça a commencé tout petit, ça s'est répandu après. Et c'est important, ça a permis aussi à du monde, ça c'est du côté social, ça permet surtout des femmes d'aller sur le marché du travail. Parce qu'il y en a qui disaient, bon, je vais attendre que les enfants aillent à l'école, puis là, c'était le voisin, la voisine qui gardait après les heures de classe. Là, au moins, pas toujours l'idéal, là, mais au moins, on sait qu'aujourd'hui, les jeunes couples, il faut que les deux travaillent s'ils veulent avoir une propriété ou juste suivre à flot, parce que les augmentations de salaire sur les gens du secteur public, ils sont en arrière maintenant du secteur du privé. Quand on disait, dans les mesures sociales dans les années 80, on était pour amener dans notre train, en arrière, le secteur privé. C'est pas ça qui arrive aujourd'hui. Il y a encore... l'Institut statistique du Québec a sorti des statistiques l'automne passé qui disaient que le secteur public était en arrière du secteur privé là-dessus, pour des emplois comparables. Ça a permis, d'après moi, à des jeunes de prendre conscience que c'est collectivement qu'on pouvait réaliser quelque chose dans la vie. Les gens, ils ont souvent... traités de bébés gâtés, qui étaient corporatistes, qui défendaient juste leur petit point de vue. Mais quand on les écoutait parler, il y avait quand même des dimensions sociales. C'est sûr que dans un mouvement comme ça, il y en a qui vont suivre pour des intérêts particuliers. Mais par contre, moi je pense que ça a peut-être ouvert les yeux à beaucoup de jeunes qui regardent au niveau social. On a vu là, que ça s'est comme calmé. Hein. Et... je ne sais pas qu'est-ce qui va avoir lieu, la récupération politique là-dessus. Le haut bureau Blouin a été récupéré. Là, on parle de Mme Desjardins qui peut être récupérée. Espérons que ces jeunes-là vont être capables de retrouver un sens du collectif. Parce que Il y a un côté individualiste là, qui s'est développé avec le temps aussi. Là. Ils ont quand même fait des gains là, dans leur opération là, de frais de scolarité. Ils n'ont pas tout obtenu, mais ça, moi j'ai fait du syndicalisme toute ma vie, puis j'ai jamais rien tout obtenu. C'est la théorie des petits pas. T'en mets un petit peu, t'en mets un petit peu. Tu gagnes, dis la prochaine fois on va faire un pas de plus. Peut-être fier d'avoir été capable d'allier ma carrière professionnelle, ma carrière de militant, ma carrière de conjoint et de père. Que j'ai pas échappé rien, à ma connaissance.